Une minute pour 10 reconversions, c'est parti. Ariane Deuzive, qui est passé de Wigan à enquêteur pour la police scientifique néerlandaise. Chase Hilsenbrick, grand espoir du football américain, enfin du soccer, qui à 26 ans a décidé de devenir prêtre. Faustino Asprilla, vous en souvenez certainement, l'attaquant de la Colombie, est maintenant PDG d'une société de préservatifs. George Weah, là tout le monde le connaît, ancien du PSG, du Milan AC, et maintenant président du Liberia. Gaïska Mendieta, le beau jeu à l'époque du FC Valence, il est maintenant DJ dans des boîtes de nuit. Jonathan De Falco, un ancien footballeur belge qui a arrêté sa carrière pour cause de blessure, il a réussi à se reconvertir dans le porno gay. Luis Vidal, ancien international espagnol moins de 17 ans qui a joué au Real Madrid, il est devenu culturiste et a même gagné une édition de Mister Univers. Norman Whiteside, le plus jeune international nord-irlandais de l'histoire, il est devenu podologue. À Old Trafford, figurez-vous. Stéphane Guijavarch, champion du monde 98, commercial en piscine aujourd'hui. Et Tim Wiese, l'ancien gardien du Werder de Brême et international allemand, il est catcheur à la WWE.